Chère famille, je vous propose ici deux prières pour vos moments quotidiens avec le Seigneur. Elles peuvent être priées à tout moment de votre journée pour vous rapprocher ou vous reconnecter avec le Seigneur. La première prière est tirée du Siracide, lequel est aussi appelé l'Ecclésiastique. Cet ouvrage dit apocryphe n'en est pas moins inspiré de l'Esprit-Saint de notre Seigneur Dieu. Voici la prière de sanctification pour préserver son cœur du péché. Qui mettra une garde à ma bouche et sur mes lèvres un sceau prudent, afin que je ne tombe pas à cause d'elle et que ma langue ne me perde pas? Seigneur, Père et souverain maître de ma vie, ne m'abandonne pas au conseil de mes lèvres, et ne permets pas que j'y trouve une occasion de chute. Qui fera sentir le fouet à mes pensées et la discipline de la sagesse à mon cœur, pour ne pas m'épargner dans mes folies et ne pas laisser un libre cours à mes péchés, de peur que mes folies ne s'accroissent, que mes péchés ne se multiplient, que je ne tombe en présence de mes adversaires et que mon ennemi ne se réjouisse à mon sujet. Seigneur, Père et Dieu de ma vie, ne me donne point la licence des yeux et détourne de moi les désirs mauvais. Que les désirs de la chair et la volupté ne s'emparent pas de moi et ne me livrent pas à une âme sans pudeur. Amen. Et maintenant, voici la petite prière pour se fortifier. Abba, Papa, toi qui as créé mon âme et m'as donné la vie, s'il te plaît, nourris ma foi et efface mes doutes. Augmente mon courage et tais mes craintes. Alimente ma passion des choses spirituelles, pures et saintes, et détruis toutes mes pulsions charnelles. Enfin, rappelle-moi en tout temps, Abba Papa, qui je suis en toi et en toi seul. Amen.